ça va être l'ancrage territorial et notamment le lien avec les parties prenantes, l'ouverture d'esprit en fait de ces parties prenantes. On va bien au-delà de simples clients-fournisseurs, les associations environnementales, les riverains, les clients finaux, les collectivités, tout ce panel-là, bien sûr les salariés. Et du coup, ça nous permet d'augmenter notre réflexion, d'aller plus loin dans ces relations et de dresser plutôt des partenariats plutôt que des relations classiques qu'on pourrait avoir.